お前の力もらう。風の竜食べる。風じゃないです、天竜です。ぐるぐるぐる。Salut tout le monde, c'est Warconix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une React avec Chirouac. On va commencer tout de suite et on va vous dire des informations pendant l'opening. Donc là, on est à l'EP 11 de son Air Quest. Ah oui, donc lui c'est un nouveau, donc lui il fait partie de Diabolos, je crois, c'est ça hein? Ouais. Oh le coup de pied. Ah d'accord. Putain, eh, si Mest il serait là, ah, il verrait ses petites gambettes. Je te jure. Ok, l'opening. Je vais juste couper le son. C'est bon. Donc. Alors, bienvenue à tous. J'ai perdu ma chaîne. Pour ceux et celles qui se demandent. Après, bon, il y en a peut-être beaucoup qui sont restés sur cette chaîne actuelle. Du coup, on va la reprendre. Si je l'ai perdu, il y aura une vidéo explicative dessus. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est pas par rapport au droit d'auteur. Vous inquiétez pas, c'est pas par rapport à ça, c'est autre chose. Et on va dire que c'est indirectement la faute, on va dire, de plusieurs personnes, mais bon, on va pas s'écarter là-dessus. Mais c'est pour vous dire, alors, que il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Bon, bah, peut-être que les anciens seront de retour, ça fera extrêmement plaisir. La chaîne va reprendre de l'activité. Vous pouvez proposer aussi des idées dans l'espace commentaire. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux, bien sûr. Il y aura la chaîne de Chirouac en commentaire épinglé avec la chaîne de Miskana. Et on va reprendre vraiment de l'activité totale parce qu'on n'a pas pu faire ce qu'il fallait. Et puis voilà. Et on ne parlera pas pendant les moments qu'il ne faut pas. Ne vous inquiétez pas. Ok, donc là on a Kyria. Ah oui, il s'est toujours pas réveillé, Jelal. Il y a moyen qu'il réveille. Ouais, c'est Diabolos, ouais, c'est ça. Je vais monter peut-être un tout petit peu le son. Ah ouais, toujours aussi sadique. Virgo. D'accord. Oh, portée des esprits, Taurus. Par contre, le faux raccord là. C'est quoi ça? Il date Taurus, hein. J'ai même pas vu le faux. C'est mon signe. Oh, incroyable! Non, c'est quoi ça? Ah, c'est Mad Moll. Scullion.
Bon, du coup, je parlais du coup, le fort accord de la tenue de Lucie. Oh, elle est démoniaque comme ça. Sur la tenue de Lucie qui était déchirée. Mira Jane, elle est rapide, hein. Mais je pense pas qu'elle peut truc. Ouais. Ah oui, je m'y fais pas. Hein. Ah, ce que Lyon, tu fais cheap, hein. Je t'aime pas. Hein. Non, mais c'est censé être un squelette et en fait c'est une armure, mais il n'y a pas de détails, c'est moche. C'est vrai qu'après vous auriez pu le faire en blanc. Oh. Mouche. À quel mot? Wesh. Que j'entends ton EP, hein. J'étais censé ne pas l'entendre. Hein. Moi aussi, mais le mien, c'est normal, c'est pour la vidéo. Ouais, mais moi, j'entends le tien. Ah, c'est le mien qu'on entend en retour. Bah oui. Ah, d'accord. Ok, pardon alors. Du coup, c'était. Oh, Luxus, oh mon gars. Il lui a mis de pâte. Oh non mais oh c'est quoi ce fan service? Ouais, rien ne résiste à tes lames, c'est aux vêtements que ça résiste pas, tu veux dire. Ah bah c'est choqué. Wesh. Comment tu sors? C'est Jilal. Non mais on a plein de choses à faire. Non mais, Jelal! Non, mais c'est pour ça que des fois on prend pas sérieux Fairy Tail. Non, sérieusement! Ma priorité est de te teindre en blanc. Alors, c'est bizarre dit comme ça, Jelal. Mes parents s'en sortent, ce sort-là il date quand même. Ouais. Ouais. Ah, du coup, on a le mec, le fameux mec qu'on a vu là. Ouais. Et pourquoi Happy le voit pas? Parce que je pense que c'est pas un chien. Ouais, je pense. Ah, ça semble, ouais, voilà, ça semble réservé aux chasseurs de dragons. En plus, on sait que Natsu est sérieux parce que quand il parle, on voit qu'il est pas en train de rigoler. Wesh. Ouais, je pense que Happy peut voir le sort, mais pas pas le mec. Ah, je sais pas, je m'en souviens pas des scans. Ouais, non, mais c'est... Non, si tu me dis qu'il est KO, c'est bizarre. Non.
Ta force est pour moi. Non, mais tu peux pas lui prendre sa force comme ça, Natsu, crois pas. Lui a pris son truc. Lui a pris son âme? Ouais, c'est son âme qui lui a pris. Donc du coup, c'est sûr que là où il est... Bah, elle est pas là en fait. Ouais. T'imagines si Natsu pourrait mourir aussi facilement? Il va falloir un truc, je pense. Je crois que je me souviens de ce passage dans le scan. Tu vas péter ton crâne normalement. Si c'est ce que je crois, je me tais. Le bâtard. Retire tes mains de ma femme. Et c'est pas, y a pas que ça, hein. Y a pas que ça. Il me semble qu'il va avoir une autre personne, et là j'ai trop hâte de le voir. Ah, il est normal. Oh mon gars! En vrai, ils ont pris le même caractère design pour Zelef, je trouve, hein. Et même pour Mavis, hein. Même que la saison 9, je trouve. Oh, s'il te plaît, si je me rappelle du scan, normalement il y a une personne qu'on est censé voir. Ce n'est pas le paradis ni l'enfer. Pas plus que l'au-delà ou le purgatoire, ok? C'est juste. Ah, c'est dans la tête de Natsu! Oh bah si c'est dans sa tête, oh là 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 là, oh je veux même pas imaginer. C'est obligé qu'il y a quelqu'un. Je veux le voir! Normalement oui. Oui! Je suis choqué.
Oh là là, il a poussé à la salle le Ygnir. C'est incroyable. Atlas Flame, Zilkonix. Oh là 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 là. Oh Natsu. Oui, c'est lui que j'attends aussi. Oh l'OST mon gars. Attends, taisons-nous. C'est incroyable. Je t'ai dit de te taire. Auguste Raquel. Et toi, Zélès, sois un bon mari. Non, avec Nologia, je me suis trompé. C'est dans la saison 9. Mais son power up il sort de nulle part. Non mais sérieusement. Non mais là je comprends No Name manga. Non, je le comprends. Là c'est un power up de venu nulle part. Non. Je veux bien que c'est pouvoir de l'amitié, mais non. Faut pas exagérer. Oh non, tu... Pardon, j'allais dire un gros mot. Il a pris possession d'Happy. Tu ne devras jamais frapper un de tes compagnons. Si. Tu me pardonneras, Happy. Mais bien sûr que si, il frappe ses compagnons, il affronte tout le monde. S'il a frappé Erza, Luxus, Gajil, Grey. De quoi tu parles? On s'insulte, on se dispute. Par contre, t'es pas prêt pour la fin. Si ça s'arrête où je pense, t'es pas prêt. J'adore le OST, par contre. Ouais. Il est du niveau de Mad Hal. Non, mais le met. Non. Ne mets pas Natsu à ce niveau-là. Mad Hal, c'est celui-là qui a l'armure. Non, c'est le mec en armure. Pourquoi il récupère pas son corps? Ah, mais non, il peut pas. Si, il peut, mais pour l'instant, c'est pour affronter. Il s'est barré. Il nous a fait une No Way Home de Spider-Man avec Dr. Strange. Il est fort quand même, le fantôme. Hein. Ouais, mais j'ai pas son nom. Il l'a dit, je crois, mais j'ai pas retenu. Nice. Oh,
Non mais Natsu! Ah c'est vrai que c'est pratique, au moins il peut rien casser. Quoi? Comment ça, lien de sang? Ils ont pas de lien de sang, eux. Ou alors j'ai mal compris la phrase. Oh, je crois que ça va s'arrêter là où je pense. Oh, t'es pas prêt. Non! Je l'ai dit, je l'avais dit, je l'avais dit. Mais le vieux... Mais attends, mais il a plus de magie. Oh, je le sens pas. Oh, je le sens pas. Non, Lucie, elle viendra pas de son côté. Enfin, je crois. Le jour où Kana m'avait forcé à boire de l'alcool. Capricot. Oh, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, cette forme-là, elle l'a utilisée que dans Dragon Cry. Après, elle l'a plus jamais utilisée. Oh, elle lui va bien, la tenue. Hein. Elle date cette transformation. Ouais. D'ailleurs, c'est l'un des premiers Star Mix, hein, si je me trompe pas. C'est la première cette transformation. En Dragon Cry. Ouais, c'est la première. Enfin, il y a eu celle avec Aquarius, mais la première... on a eu vraiment, c'est celle-là. Mais oui, Luxus, il t'éclate, mon gars. Luxus, il est sous-estimé. Tu en veux encore, jeune fille? Oh mon gars, j'ai ma miniature. Oh mon gars, j'ai ma miniature. En vrai, c'est incroyable quand même. Eh, en vrai de vrai, il est incroyable. Mais moi, je me dis une chose, tu vois. Attends, on a jusqu'à combien? Jusqu'à 23,50. Ok, on a le temps. Il est 22,48. Franchement, frérot, je te le dis honnêtement, Luxus, il est trop sous-estimé. Il est trop sous-estimé. Moi, je te dis, il tabasse Jellal. Il tabasse, il le tabasse. Oh, moi, je te dis, il y a un combat qui me tarde à savoir du coup. Attends, vu que je suis curieux, c'est Luxus, enfin, Natsu et ce Makarov. Ouais, parce que du coup... il a pris possession du corps de Makarov. Mais du coup, plus la magie qu'il a lui, bah en fait, il a la magie du vieux. Et là, on est dans la merde, là. Mais franchement, c'était un super EP. Bon, il y a peut-être des petites incohérences par rapport au power-up qui sort de nulle part. Bon, celui de Lucie, ça va. Celui de Lucie, c'était déjà géré et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu des incohérences. Mais par contre, je le dis, le power-up de Natsu qui sort de nulle part par rapport à son inconscience dans sa tête, c'est bien trouvé, mais c'est pas assez développé. C'est pour ça en fait que ce qui manque dans Fairy Tail, c'est les entraînements. Même si c'est minime, des petits entraînements. Parce que le seul entraînement qu'on a eu, c'était pour tout simplement... l'arc des grands jeux intermagiques. Et encore. Mais voilà. Bon, conscient de Natsu. Quand on voit tout le monde. Vas-y. Je vais faire ça. Donc voilà. Bon. Moi, je vous dis, c'était Work Onyx et Shiroak. N'oubliez pas, longue vie à Fairy Tail à tous les autres univers d'anime. C'était Work Onyx. À la prochaine. Si vous avez des questions, dans les commentaires.